Donc Jean-Marc Désert, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes dirigeant du réseau Store de France, une enseigne spécialisée dans la distribution et l'installation de stores. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'enseigne Store de France ? Tout à fait. Alors nous évoluons sur le marché de la protection solaire depuis 2002. C'est une marque que j'ai créée en 2002. Et en 2009, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait créer un réseau de franchises parce que le besoin en termes de positionnement était tout à fait redevable, était tout à fait prépondérant et qu'on avait une certaine légitimité sur le marché. Vous évoluez sur un secteur assez B2B, on va dire. Vous êtes sur les collectivités, des grandes entreprises. Est-ce que vous faites aussi du B2C ? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le positionnement Store de France ? Oui, alors nos clients sont pour un tiers environ des particuliers et pour deux tiers des collectivités, administrations, entreprises. En fait, on touche à peu près toute la population. D'accord, donc une cible très large. Tout à fait. On est sur un marché qui est constant et qui est solide. D'accord. Là, donc, vous êtes lancé en franchise en 2009 ? Tout à fait. On est aujourd'hui toujours en recrutement. On cherche des franchisés sur toute la France et on est aujourd'hui 9 agences. D'accord. Et quel type de profil est-ce que vous recherchez dans la création d'entreprise ? Donc, c'est un secteur qui est assez technique. Est-ce que vous recherchez des profils plutôt techniques ou plus larges ? Alors non, les profils sont très variés. On a aujourd'hui dans notre réseau des gens qui étaient chefs d'entreprise, qui sont toujours chefs d'entreprise, qui ont utilisé notre marque pour booster leur chiffre d'affaires et on va dire en complément de leur activité principale. L'un était menuisier et l'autre est enseigniste. Sinon, on a aussi des gens qui ont des profils soit techniques, soit commerciaux. Donc les gens qui ont des profils techniques, on les aide commercialement à créer leur business, on va dire. Et les commerciaux, on va les aider à découvrir la partie technique de notre métier. Mais en fait, on peut accueillir tout le monde à partir du moment où les gens ont un profil, je dirais, de personnes motivées pour créer leur entreprise. D'accord, donc vous offrez un accompagnement solide, on va dire, à la création d'entreprise. Oui, alors c'est variable. On va passer plus de temps avec des gens, évidemment, qui ne connaissent pas la partie commerciale ou très peu. On va passer beaucoup plus de temps avec eux. Donc on peut parler de quelques semaines de formation, mais on ne va pas s'arrêter si la personne n'est pas tout à fait, n'a pas toutes les chances de réussir. Donc on va l'accompagner. Et surtout, l'accompagnement se perpétue, c'est sur toute la durée du contrat. Donc ça va durer 9 ans. On les forme toujours sur les nouveaux produits et on peut les accompagner à n'importe quel moment à répondre à leurs questionnements ou à leurs besoins du moment. D'accord. Aujourd'hui, quels sont vos objectifs de développement ? Alors, on recrute aujourd'hui, on continue notre recrutement. On va s'intéresser beaucoup plus à la partie est de la France parce qu'on est beaucoup présent sur la partie sud. Donc la partie est, la région parisienne également, la Bretagne et partout dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants, on peut gagner sa vie en étant franchisé Store de France. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous.